Donc effectivement, Vélan qui parle de son pénis pendant la pub, c'est tout à fait normal pour reprendre à live. L'ambiance est là, on se met bien. Bonjour à tous les amis, ici Tonton Arthéon qui reprend cette TV2 toujours sur les Destiny. Une dernière petite heure sur Destiny, on finira l'heure suivante sur du League of Legends accompagné de viewers. Pour le moment, j'ai tagué sur mon main, histoire de vous montrer à quel point je suis nul à chier en PVP. Oui, petite session de PVP, vous allez voir. Il y a des mecs qui tryhardent. Tu sens les mecs qui jouent à Call of, à Battlefield, eux ils passent, c'est crème, la transition se fait bien. Toi quand t'as pas touché à FPS depuis tes 16 ans, c'est déjà plus difficile. Vous allez voir, c'est très très drôle, le PVP c'est très sympa, mais on va vous montrer un petit peu de choc en équipe 6 contre 6. Là, le but étant de fraguer des mecs, tout simplement, on va se mettre bien. Map que je ne connais pas, la trouée... Ah si, je crois que j'ai déjà fait celle-là. Je crois que je déteste cette map. Alors, il faut savoir que les maps sont très petites, ce qui est très chiant au niveau des airpods, très très petites. Allez, l'équipe alpha, on est là, on se met bien, le mec qui est tout à droite en rouge avec un casque, ben, c'est moi, voilà. Je suis sur mon titan. Tout va bien. Alors vous allez pouvoir constater que je suis vraiment, mais vraiment très mauvais en PVP. Hein. C'est un fait. J'y peux rien. Lui monte là-haut. On va le suivre, lui. Alors on suit déjà pas très bien. Mais lui, il a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait. On vole. Putain, ils sont en face. Vous avez vu? Ils sont en face. On a un fini d'éclaireur. On a déjà pris ultra cher. Hein. Alors il faut savoir que le stuff, bien entendu, influe sur les dégâts que vous allez faire. J'ai failli prendre un one shot de malade mental. Il est là, cet enfoiré. Il est là, il m'avait vu, il était en l'air et je me suis fait chier dessus, bien comme il faut. Alors, vous allez rire, hein, parce que c'est vraiment, je suis vraiment très mauvais sur le PVP. C'est vraiment pas un mode de jeu. J'en ai fait une fois pour le moment, une fois ou deux. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Tu sens les mecs qu'on traîne les maps, qui connaissent les maps, etc. Eux-mêmes, ils connaissent les bails. Toi, tu comprends rien et tu te fais défoncer, tu sais même pas d'où ça vient, quoi. En 20 mètres, il y a du monde. D'autant plus que, il me semble que le stuff scale, même en PVP. Donc, du coup, si le mec a meilleur stuff que vous, il vous déchire, c'est tout. Il vous déchire, bien comme il faut, quoi. On passe en tête, semble-t-il. Alors, les mecs sont en face. On l'a vu. Oh putain, je crois qu'il est là. Oh! Alors, eh, c'est n'importe quoi! Ah, il m'a mis un coup de shotgun! D'accord, parce que je lui ai mis une patate. Alors, normalement, j'ai un talent en titan qui fait que j'ai une patate chargée qui fait extrêmement mal. Normalement, ça aurait dû le one-shot. Pas du tout. Lui, il m'a mis un coup de shotgun. Lui, par contre, il m'a one-shot. C'est normal, au cas que le shotgun, ça fait très mal. Mais les mecs ont vraiment du stuff équilibré, du stuff fait pour, etc. Moi j'y suis en mode clochard, c'est-à-dire j'ai absolument pas le stuff pour. Par exemple, mon arme secondaire est absolument pas adaptée au PVP. Oh! Oh là là, il y en avait un derrière. Alors vous avez vu, je suis en train de défoncer tranquillement celui-là, il y en a un autre qui arrive derrière. Ça va pas du tout, hein. C'est pas très très bien ça. Bon, pour l'instant, pas de frag, hein. Ça ne se passe pas très bien. En temps normal, j'arrive quand même à avoir une dizaine de frags. Là, on n'est pas très bien, on se fait chier dessus. Mais comme je vous l'ai dit, je déteste cette map. Je l'ai fait une fois, j'ai absolument pas compris. Les ennemis peuvent venir de partout en fait et vous faites piner. Ah, regardez. Merde. Au-dessus. Au-dessus. Oh, le temps même que tu saches jouer le mec, tu te fais défoncer, quoi. C'est infâme, c'est un pluie à rage, mais c'est très drôle. Bon, on va quand même essayer de faire un minimum le taf. Essayez, je te dis. Il y a des maps sur lesquelles. Défoncer mon pote, il est là. Il est là. Il est où? Alors même maintenant, on sait même plus où il est. Oh, il était accroupi. Eh bien, bien joué, j'ai pas réussi à les 8. Les mecs jouent bien, en tant que les mecs font du PVP, ils jouent vraiment, quoi. Donc un gros casual comme moi, par exemple, bah, se faire déchirer, c'était tout à fait normal, c'est tout à fait legit. C'est pour ça qu'on rage pas, on prend limite avec le sourire, on sait qu'on se fait défoncer. Il est où? Je sais qu'il est là. Oh merde, il a claqué son ulti! Ah, oh, il avait son revolver, son ulti. Moi, je n'ai pas encore mon ulti parce que fatalement, je ne frappe pas. Donc, je n'ai pas d'ulti. Et je suis actuellement dernier de la map. Donc, vraiment, vraiment, très, très mauvais. Non, mais je vais me traîne. Je vais me traîne dessus. Vous le savez que moi, les FPS, c'est pas mon délire. Enfin, c'est pas mon délire actuellement, en tout cas. Mais on va. Oh! Il est où? Il est là. Il est là, on l'a vu. Mais on sait qui c'est qu'on l'a vu, je crois. Ah merde, je fais beaucoup trop! Ah! Alors imaginez, vous êtes en train de faire un vol plané, vous faites chier dessus par le mec. On est bloqué. Oh! Alors là c'est l'absurdité de ce jeu, c'est au niveau des dégâts. Vous imaginez qu'on a tiré de la même façon au même moment avec des armes. Lui, il a une arme qui fait beaucoup plus mal, bah, tout simplement. Il m'a OS quasiment. Là où on s'est tout simplement tiré dessus en même temps. Très bizarre des fois. Hein. Par rapport à ça, c'est vrai que ça manque un tout petit peu d'équilibre en PVP. Actuellement, il fait pas bon être en PVP bas niveau. Hein. Je vous rassure, si vous n'avez pas le stuff, si vous n'avez pas farmé ce qu'il fallait, vous allez vous faire pisser dessus. Quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a un mec derrière moi, je le sens. Je le sens bien là. Il est au-dessus de moi. Il est au-dessus de moi, il me cherche. Oh putain.
C'est bon, j'ai une assiste, tout va bien, it's ok. Putain, ma première assiste. Attention, est-ce qu'il y a du monde? Pour l'instant, on sait pas. Bon, en tout cas, très très nul en PVP. Ça, je l'ai dit, je l'ai même annoncé dans le poste. La grenade, on va essayer de les choper. Oh putain, j'en prends plein ma gueule. Ça va les grenades? Ils étaient trois, vous noterez. Oh, on a eu de l'assistance, c'est parce qu'on en a tué un au moins. Oh, de dos! Ah! C'est pas possible quoi. Donc là, je sais. En fait, quand vous ne connaissez pas la map, vous ne savez même pas par où ça va vous arriver dessus. Voilà, c'était dodo. Donc la déception ultime. Le mec était un petit peu au fond quoi. Titanfall était beaucoup plus noob friendly, je trouve quand même, pour le début en tout cas. Là, c'est vraiment plus. Tu te fais chier dessus d'entrée de jeu. Après, le PVP est sympa, c'est agréable, hein, c'est juste que bah, faut aimer se faire bâcher au début. Mais bon, ça vient. Ça dépend aussi des maps. Je trouve qu'il y a vraiment des maps qui sont plus orientées pour certaines classes. Ah, je me fais. Non, voilà, le mec est derrière, son pote qui est là, j'y prie entre deux feux. Vous ne pouvez absolument rien faire. 5 adversaires d'affilée. Très bien joué à part de la part de Sam Reeve, qui joue plutôt pas mal depuis tout à l'heure. Mais il fait mal un peu le salaud. Ah, on l'a vu, il est en face. J'ai rien pour le sniped. Allez, monte! Imaginez, le mec, il arrive, ils voit un gars comme moi bloqué dans le mur, boum, 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 3 shots, c'est terminé. Allez! L'assistance, on l'a eu! Putain, c'en est un en face? Ah non, c'est un arbre à tout! Y'a un mec? Non, c'est un arbre, John, tout va bien. Oh merde, dans le dos! Non, 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 non! Et voilà, il était dans le dos, il a rip-up de l'autre côté, et ça, vous ne pouvez pas voir. Donc les maps sont très petites, et justement, bah, le gros problème de ces maps toutes petites, c'est que vous venez de tuer un mec, bah il repop, il est dans ton dos, il te défonce et tout. Ah, ça y est, j'ai enfin ma supercharge. Pour s'amuser. Une supercharge, c'est mon gros pouvoir. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde de l'autre côté, j'ai l'impression, au-dessus. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un. Attention, il faut vraiment checker le radar. Attention qu'il y a du monde derrière. Ils sont en dessous. Il y a eu 3 morts, je crois. Ils sont fait cleans. Non, 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 non! Oh putain, je savais pas qu'il y avait un pas. J'avais pas vu qu'il y avait un trou, je suis tombé comme une merde. Je pensais que ça. J'arrivais directement. Voilà, et ta terre. Je pensais que j'allais directement arriver sur le sol. Non, pas du tout, il y avait un gouffre. Donc je me suis fait un type. C'est le mec qui ne se fait même pas buter par les mecs. Allez, boum, meurt. Voilà, on l'a tué avec notre super ulti. Premier frag, tout va bien! Bon, c'est un petit peu cheaté ce que j'ai fait, ça n'avait aucun sens. Vous avez vu, je suis arrivé, j'ai tapé sur le sol, boum, le mec est mort. C'est aussi simple que ça. Il y a du monde un peu. Bon, on a eu un frag, on n'est pas fanny, tout va bien. Ah putain. Non mais au moins c'est drôle. Puis c'est pas prise de tête, tu recommences. Il y a du monde, hein, je pense. Il y a une grenade au-dessus de moi. Ah, il y a une grenade à vortex au-dessus de moi, tout va bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? On sait pas. Lui-même ne le sait pas. On va aller par là-bas. J'ai cru voir une grosse campousse dans le coin, mais pas du tout. Oh putain. Ah non, j'ai failli remettre les pieds dans le gouffre, la déception. On a les munitions. Prendre les munitions, mais ça sert à rien que je joue au fusil à impulsion là. Ouais, le fusil à impulsion met trop de temps à charger et tout simplement, les mecs, si vous êtes un petit peu mobile, bah, vous l'esquivez très facilement. Il n'y a pas de porte là où je suis? Je sais pas où je suis. Ces maps où vous ne savez pas où vous êtes et vous êtes déçu. Je crois qu'on se fait pisser dessus, mais de ouf, hein, par contre. Hein. J'ai l'impression qu'au score, on est vraiment très très bon. Très très mauvais là. Il va m'attendre. Il est où? Ok, je le vois pas. Ok, le mec était là hein, tout à l'heure. Ok, je crois que je sais où qu'il est. Il continue, je le cours après depuis tout à l'heure, mais lui il va plus vite que moi. Il est là, c'est sûr. Oh merde, c'est un pote. Putain, il m'a fait flipper lui. Ils sont derrière, c'est ça? Ils sont derrière. Ok, je ne sais pas qui est mort. Je ne sais pas qui est avec moi, je ne vois plus personne. Ok, je prends super cher. Oh merde. Non. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, shotgun. Ah bah forcément, le shotgun. Au corps à corps, il m'a niqué. Il faudrait que je mette un coup de shotgun. Il faudrait que je prenne un shotgun. Tiens, on va le prendre ça. On va prendre un shotgun, on va essayer de faire des trucs. Cela, clairement, ma truc ne sert à rien. On va prendre ça, le peupon. On va essayer. On va essayer. Ah non, j'ai quoi? C'est mon normal, ça? Oui, ça, c'est mon normal. Tu es mon normal. Où est mon peupon? On va essayer de voir. Vraiment. Oh! What? Mais genre de où il est? Ah, d'accord. Le mec, on le voit pas sur l'écran. Avec un pompe, il m'OS. C'est énorme. Alors là, j'ai vraiment pas compris d'où il venait le coup. Alors je veux bien que de temps en temps, tu vois, tu le vois pas, c'est de le dos et tout. Mais là, le mec, il m'a pas vu d'où il venait. C'est bon, on a eu l'assistance, tout va bien. On a réussi à dodge les dégâts, mais ils étaient quand même deux, ces salauds. Je vais me faire défoncer. Il est où? Il est là-dedans. Il est là.
C'est un ami ou... Ok. Pourquoi il avait un bouclier supplémentaire, lui? Alors lui, il a une barre bleue, une barre rouge. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et quand j'ai tiré au shotgun, ça n'a même pas tiré. J'ai pas compris ce qui s'est passé, pour le coup. C'est pas grave. Ah non, c'est parce qu'en fait, j'ai pas de munitions de shotgun. Ah, la déception. Wow! Mais c'est pas possible! Comment il fait ça? Le mec, il est au shotgun, mais genre 20 mètres devant toi, il te one-shot. Il n'y a pas de souci. Le shotgun, c'est encore à corps, connard! Le jeu qui ne fonctionne pas, le jeu est cassé. Non, pas du tout. C'est juste moi qui suis très mauvais. C'est dommage, quoi. Je me fais défoncer. Oh non, votre équipe a perdu! Bon, on n'a pas perdu de temps que ça, mais on va recommencer. On va aller sur une map que je connais. Mais non, clairement, j'ai été extrêmement mauvais. Mais vraiment, je vous ai dit, le PVP, c'est vraiment un truc que je n'y arrive pas pour le moment. Je suis vraiment très mauvais dessus, je n'ai pas train, je connais pas les maps. Alors, regardez, un frag, 15 morts. C'est ridicule, c'est vraiment, vraiment ridicule pour le coup. Mais c'est pas grave, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon petit Vélan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? J'ai zéro drop. Ça drop? Il y a du lag, on me dit? Alors pourquoi on me dit qu'il y a du lag? Ah merde, j'ai fait sortir, je voulais pas sortir. Ah, mais c'est Dailymotion, mais c'est pas grave. S'il y a du lag, effectivement, les gens, c'est Dailymotion, quoi. C'est pas grave, j'ai eu quand même un kill, tout va bien. Allez, on va se refaire un petit choc, vous allez pouvoir constater à quel point je suis nul à chier en PVP. Mais bon, ça, on n'y arrive pas encore. Mais c'est drôle, c'est drôle. Alors, c'est quoi, 20 000 guis, salaud, dans le cas, je connais pas, mais je l'argent, Naldier, Vélan, c'est assis sur un câble, et il dit... Ah! Alors, mais oui, a priori, vous me dites que ça drop. Non, c'est un... C'est dans Monster Hunter, tant mieux, même chromé avec des unicornes. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Vous faites flipper un petit peu sur le chat, quoi. Allez, on va attendre que ça charge. On a trouvé du monde. On a qui? On a des gens, on a Richie Hall. Mais non, clairement, le PVP, vous avez pu constater que c'était... C'est très drôle. Je me fais chain kill. Sympa. Date crash. Ah, il y a toujours du crash, hein, pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas grave, on va continuer. Ça se trouve, vous me voyez pas mourir, c'est très bien. Il y aura la VOD pour en témoigner. Bon, allez, on va lancer ça tout de suite. Petit temps de chargement. On a une escouade qui va arriver avec nous. On va voler. On est 6. Mais clairement, j'aide pas ma team en faisant du 1-15, quoi. Moi, je suis bien, t'as vu. Un frag, 15 morts. Je suis fait one shot à chaque fois. Le jeu très équilibré en PVP. Quoi? Un jeu très équilibré en PVP. T'as fait quoi? Du PVP. Mais à chaque fois, je fais 1-15. Mais à chaque fois qu'il y a un mec, boum, one shot. Ok. Mais genre même pas, tu vois, c'est même pas, il m'a mis une rafale. C'est genre n'importe quelle arme, me one-shotter. Et là tu fais, mais qu'est-ce que c'est? Il y a de l'IM... il y a un IM bot, il y a quelque chose, je ne comprends pas, quoi. Ah, voilà, c'est bon, t'es de nouveau en live. Ah, on est de retour en live. Dailymotion. Donc on avait Dailymotion qui a fait du caca, les amis, désolé, vous le savez très bien. Des petits soucis des fois avec Caca Motion. Mais bon, c'est pas grave, on est de retour, on va... Oui, j'ai dit Caca Motion, je fais ce que je veux. Je vois Vélan qui est là, mon dieu, on va se brouiller avec Dailymotion, et pas du tout. Donc... On va retourner en PVP. Ce programme vous est présenté en partenariat avec Dailymotion. C'est trop stylé! Et là, vous avez des vaisseaux qui arrivent et tout. On tient un petit peu des X-Wing, mais qui sont pas en forme de X. Les rivages du temps. Vénus. Est-ce que j'ai déjà fait celui-là? Je ne sais pas. On va voir la map, ça me rappellera un petit peu quelque chose. Oui, je crois que je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait dans un mode de capture de points. Ce qui peut être pas mal aussi. Résultat de ta game, nul à chier. Mais moi, hein, c'est moi qui suis vraiment très très mauvais en PVP. Hein. Voilà, je le dis, je le répète, ne vous attendez pas à avoir du PVP de haut niveau. C'est ma deuxième session de PVP depuis que j'ai joué au jeu. Enfin, c'est ma deuxième session de jeu. Donc on découvre. Et tu sens qu'il y a des mecs, les mecs, ils sont que là pour le PVP. Là, ils ont tout compris, ils ont le stuff adéquat, enfin, ils ont tout. Toi, t'es là, tu comprends rien, tu te fais frag par n'importe quel connard. Tu te fais one shot par n'importe quelle arme et tu sais pas pourquoi. En même temps, regardez, les mecs sont level 19 et compagnie, ils ont des armes qui doivent faire 4 fois le DPS de la mienne. Tout va bien. Là, je suis sûr, il y a du monde en face. Y'a personne? Putain, ils sont déjà là-bas. Oh, si, y'en a. Y'en a un qui a atterri ici, on le voit. Oh, tu te calmes, Bobby! Il est où? Il est mort! Je sais pas ce que je lui ai fait, mais il est mouru! Cette map est vachement mieux. On va prendre des munitions d'armes spéciales. On va essayer, histoire d'avoir des armes, des munitions de shotgun. Bon, ouh, il y a un connard. Oh, c'est dommage. Voilà. Attends, le mec est level 21, je suis level 10. Hein. Alors, ça marche. Bah, c'est pas, on a pris une petite assistance, tout va bien. Tu vas voir à quel point je suis nul. Bon, au moins, mais alors, son arme, ça fait... Je fais, ah, je suis mouru. Ceci dit, je l'ai mis live, c'est plutôt pas mal. J'aurais pu faire pire. On n'a pas de points, il n'y a pas de points rouges pour l'instant sur le radar. Si, en face. J'avais perdu l'avantage. Allez, mon gars! C'était un mec, là? Oui, c'était un mec. Je l'ai fragué sa mère, oui. Je lui ai déchiré sa race. Il m'a pas vu. De dos.
T'as la visée assistée même en PvP. C'est petit, hein, c'est vraiment pas énorme. Oh, putain, je sens la campe. T'as pas vu qu'il y avait un mec en bas Si, mais attends, je peux pas y aller. Oh putain, je me fais déboîter sur la droite. Tes PV ils remontent comme les ça. Les PV remontent, ouais, les PV remontent, regarde, comme du halo, hein, c'est un bouclier en fait. Je fais pour dessus. Est-ce que je vole assez haut? En fait, tu peux voler en fait. Enfin, t'as des avantages. Mais tu sens les mecs, ils sont plus haut niveau quand même. Ah, tout le monde est équilibré au niveau 19, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Ah, genre à niveau 3, il peut se battre contre un niveau. Ouais, mais il va se faire déchirer parce qu'il aura des armes dégueulasses et là je vais taille. Bon, voilà. Ah, je pensais que ça faisait, tu sais, comme sur WoW où tout le monde se met au niveau max. Non, même pas. Même pas pour le coup. Eh, j'ai 200 points, c'est plutôt pas mal pour le moment. Ça veut dire que j'ai eu un kill et 12 assistants, je pense. Eh, mec, t'as vu qu'on est pareil en fait, les gens beaucoup. J'avoue. C'est un peu swag et tout. Ah bah ça fait bizarre. Grenade versus grenade. Sa grenade est passée avant la mienne. Je n'avais ça dit pas quoi la sur le chat quoi. Ça fait quoi ça disait ça? Mais on est trop bien. C'est Vélant. Je ne savais pas qui c'est. T'as tué un level 2. Enfin, ah non, 21. Level 21. C'est pas grave. Content de oh, allez, mon bonhomme. Et il est pas mort? Si, il est mort. Oh, seriously. Oh, tu t'es fait death. Seriously. Ah non, mais attends, le mec, je l'ai tué. Rien, pas d'assistance. Alors que je l'ai mis full truc. Hein. Full auto. C'est pas grave, it's ok. Personne, ça c'est un copain. Ah oui, mais lui il connaît les points de camp. Là. Cette map, je commence à. C'était quoi ce groupe? On dirait tellement la dernière map sur Call of, quoi. Ben c'est ça. Où t'as la fontaine et tout, tu pars sur la gauche, t'as un spot de. Oh, mais attends, tu les connais là. Moi je les connais pas. Oh, ouh. Est-ce qu'il y a des connards là dans le coin? On va voir s'il y a des gens qui viennent. On va attendre, on regarde. Y a personne pour le moment. Bon, tant pis. Munitions lourdes disponibles. Oh, la mission lourde, elles sont bien celles. Y a personne. Ils sont tous morts. Enfin, tu les as tous tourés. Non, pas du tout. Oh là là, tonton, c'est nul. Mais attends, les mecs sont deux, je vais pas. Tonton, il est mauvais. Il met un petit peu hors l'os parce que regarde, ils sont plus que ça. Il y a pas une. Ah non, mais foutez-moi la paix. Oh là là. Ah, mais les mecs sont deux, level 21, qu'est-ce que tu veux leur faire quoi? Ah, trois. Il y en avait un derrière aussi. Très bien, tout va bien, it's ok. It's ok. Bon, je sais où ils sont en tout cas. On va essayer d'aller les déloger. Mais non, effectivement, je me fais pisser dessus. Et tu sens quoi en fait? Plus t'es. Oh putain. Oh. Allez, le frag, le frag. Le mec le frag. DHP, quoi. Hey, c'est pas grave. Ah, tu lui mettais un coup de pied. Non, mais je me fais défoncer là. Il y a du monde. Il est où? Là, il y a un mec là. Je l'ai eu quand même. Non, t'as eu une assise. Ah, j'ai eu l'assise parce qu'il est pas fini, mais je l'ai eu quand même. Que j'ai mais bon, il y avait son copain. T'as il y avait Romain qui peut fufu ou pas? Alors, tiens, un fufu. Il me semble qu'il y a une espèce de petit fufu et c'est assez horrible. Hein, ça peut être bien. C'est assez. Bah, en fait, c'est trop cassé quoi. Parce que t'arrives derrière un mec, boum boum. Ah, j'ai pas eu le temps de réagir, je suis mort. Et les tanks pas en fait. Pas en PvP, je crois. En même temps, un tank sur un FPS. Allez, la petite assistance qui met bien. Bah, t'es censé être plus tanky, quoi. Plus avoir moins de disponibilité ouais, de du sort. Du coup, tu fais moins de dégâts. Putain, qu'est-ce qui se passe? Passer en tête. Passer en tête. Ah, nice. Ok. Supercharge. Ah, nice. C'est quoi ça? La supercharge. C'est mon pouvoir. C'est mon gros pouvoir. C'est, le mec qui c'est l'ulti. C'est l'ulti. D'accord. L'ulti, c'est ça. Boum! C'est ça, 126 points! Ah, ça OS? Ça OS. Ça fait 800 de dégâts, donc oui, ça OS pas mal. Après, le temps de chargement est ultra long à venir, mais voilà, on s'est pris un petit frag tranquillement à l'ulti. Il y a du monde. Il y a du monde? Je sais pas. Je sais plus. On voit rien, il y a personne à l'écran. On se cache. Vous avez pas un radar? Il y a un petit radar en fait, tu vois les points rouges, tu vas voir, là il y a personne par exemple. Mais voilà, tu vois le point rouge en haut, c'est ouais. Que le mec est par là-bas. Ouais, d'accord, ok, c'est très vaste. C'est quand même un peu brouillon. Une grenade de qualité. Bah, le mec, je pensais qu'il allait essayer de me rush, mais pas du tout. No balls, le gars. Il est à deux, il est en mode campus. Il est pas. On est le 21 en mode. Oh, 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 oh. Ils sont deux, trois, deux. Allez! Le shotgun, ma gueule! On l'a défoncé. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Il y avait un truc rouge qui a pop. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je m'en sors mieux déjà que sur l'autre map, hein. Eh, mets des coups de cut là. Attends, porte tes balls un peu. Je peux le faire. J'ai une classe spéciale. Ah putain, il est derrière moi. Ah, vas-y là. Et bim. Oh, ah, mais oui, mais bon. Ils étaient un petit peu. Ouais, mais c'est pas grave, tu as bien. Ah, j'étais mis live. Mais en fait, j'ai une classe spécialisée dans le corps à corps justement. C'est-à-dire que mes coups de poing à moi, ils sont chargés, ils font beaucoup plus mal en fait. Disons que ça dépend parce que des fois t'as pas le temps d'arriver au corps à corps ou alors t'es mi life alors tu vas le mettre mi life mais lui il va te finir en fait. Du coup, vu que ce jeu est plutôt bien tiré de côté halo quand même, ouais. Est-ce que t'aurais une classe qui aurait genre une épée, c'est comme ça. Ah, je veux dire les swords des swords des comment ça s'appelle des élites. Ouais. Non, ils l'ont pas.
tu l'as pas. Si, t'as une classe. Le chasseur, là, je crois. Si, tu peux je sais que le chasseau a un cut. Chasseur, enfin, j'ai vu ça sur le chasseau. Le chasseau a un cut, ouais. Le chasseau est pas mal cheaté comme classe. Parce qu'il a tout, en fait. Il peut jouer tranquille ou à distance. Comme il peut jouer aussi au corps à corps assez bien, quoi. Alors, si vous pouviez éviter de vous mettre en plein milieu de ma. Oh putain. Et ben alors, tu tentes pas, là. Ah non, merde. C'est quoi? Ah non, c'est son impulsion gun. Je crois qu'il avait. Je crois qu'il l'avait fait à la solte. Non, mais je t'ai dit, tu tentes pas, en fait. Oh putain, il est là. Et il m'a fait avec son arme légère. C'est bizarre. L'impulsion, finalement, qui fait plutôt mal, quoi. Alors, on va essayer de. Ah, le deuxième ulti du chasseau, apparemment, c'est ça. C'est la soire de Halo. Ouais, c'est la soire. C'est ça. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ça, tout va bien, alors. Il est où? Il est sur plein. Oh putain! Voilà, tu vois, lui il était genre fufu. Et je l'ai vu qu'au dernier moment. T'as vu qu'il a replâché sur moi. Wouah! C'est quoi son arme de bâtard? Elle va super vite. Ouais, je vois ce que c'est. C'est une assault, je pense, mais laquelle? Mais en fait, vous avez tous cette arme là? Non, 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 on a tous des armes différentes en fait. C'est bah bizarre. Ouais, mais ils ont. Enfin, j'ai regardé des streams de quelques mecs. Ils ont tous une arme comme corps. Ça. Allez, le frag, mon gars. L'arme de base, là. Bah, l'arme de... En fait, t'as des armes de base, qui sont des fusils d'assaut, d'éclaireurs, ouais, etc. Voilà. Ensuite, t'as les pompes, etc., qui sont des armes secondaires. Les pompes, les snipes et tout. Et t'as les armes lourdes, qui sont les roquettes et les... Et les fusils... Les gatling, on va dire. D'accord. Si je me prends une shot, je suis mort. Donc là, c'est quoi juste derrière moi. Ce mode de PVP, c'est quoi? C'est un 6v6, tu marques des points en tuant des gens. D'accord, ok, y'a pas de non, capture de flag. Y'a pas de capture de flag sur celui-là, en tout cas. Ok. Ah là, il avait la distance. Mais mes lunettes de soleil sont beaucoup trop soignées. Il fait un petit peu trop mal. Mais lui, le Stuvu, je sais pas trop quoi, il a une arme de malade mentale. Ça fait trop mal et ça a une cadence de ouf en fait. Donc en fait, le mec peut pas te rater puisque finalement, il est all-in et c'est bon quoi. On est repassé en tête. Pas grâce à moi en tout cas. Vous avez perdu. Ça va, j'ai eu quelques flags. Vous êtes en tête de 1 kill. De quelques points. Oh putain. De 1 kill. Genre là, ils sont passés en tête. La grenade. Oh putain. Et. T'as vu, je m'étais fait flank sur la gauche, il m'a déjà allumé. Le mec a juste eu à mettre un shot et c'était bon quoi. Ceci dit, ils sont où là par rapport à la map? Ils doivent être par là-bas. On va essayer de les rusher. Mais les maps sont vraiment très petites en fait. Et le problème, c'est que tu viens d'éliminer un gars, mais en fait, il repop. T'as un repop juste à côté de toi et. Ah putain, le temps de changer d'arme. Change de jambe. Les mecs campousent. Les mecs fait. Ah, regarde, le level 21, il ne fait que camper au même endroit avec son fufu. Il est bon, hein. Ceci dit, il est bon. On peut pas lui en revoir. Ah, je suis super chargé. Oh, il est là. Si je le chope. Mec, il va à tout prix se manger. Au cac. Mais je peux lui mettre la praline. Il s'est barré. Non, mais en fait, t'es passé au-dessus de lui. Tu crois? Oui, il s'était retourné. Je suis pas sûr. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à aller au cac. Il va me fumer avant. Je peux lui mettre une supercharge. Il est où? Mais il s'est barré. Il est pas en fou. Il tire sur qui, là? Je ne sais pas. Personne à l'écran. Il y en avait un là. Mais ouais, mais bon. Mais go. Je vais pas rester en statique en plein milieu du truc. Mais si. Tu voir où je suis. Tu te vois au milieu en bas de tourelle, les gars. Ils sont où? Il est où? Il y en a forcément un qui va venir par ici. Boum. Voilà comment. Le frag de pédale. Oh mon dieu. Arthéon, c'est pas ça. Mec, hein. T'as vu ce qu'il a pris? Il a pris des grenades et tout. Ah, il est mort. Voilà. C'est pas ça. Trou du cul, je l'ai eu. T'es déçu, voilà. Je déçois. Non mais je l'ai eu quand même. Je quitte ce stream. Je l'ai eu quand même. Je quitte il ce est mort. Stream. C'est pas possible. Oh putain. Waouh, full auto ce qui te met le gars. Non. Je préfère me suicider. Oh, et il y en avait deux au-dessus. Ah mais en même temps, la map, il y a que des level 21, c'est chaud dessus. Forcément, quand t'es level 10, t'as l'air con. T'as pas la moitié de leur skill. Les mecs sont là en mode je te défonce. Bon, c'est pas grave. Il y a des copains. Ah non, on a perdu de pas beaucoup. Allez, je vais mourir quand même, c'est pas grave, on s'en fout, it's ok. Eh ben c'est pas, j'étais pas dernier de la map au moins de ce coup-ci. Eh ben ça c'est plutôt nice, je suis content de moi pour ma troisième petite session de PVP. On n'est pas Fanny, et ça c'est bien. C'était Velan, c'est qui avec tonton? C'est Velan. Ah, on a récupéré un petit peu d'XP, je crois que j'ai même passé un niveau. Eh, finalement... 14 morts, 7 kills pour 14 morts, on est pas mal, on est beaucoup mieux que tout à l'heure en tout cas. On se dit 7-8, 7-10, comment ça se fait que je suis 3ème de la map du coup? Est-ce que c'est 3ème égalité ou c'est pas classé par le... Non je sais pas, c'est très bizarre. En tout cas j'ai gagné une arme, quelle est cette arme?
Oh, oh, un fusil à impulsion 80. Ça, c'est nice. Ça, c'est vraiment nice. Parce que vraiment, j'avais envie d'un fusil à impulsion. Je voulais une arme, justement, auto, full auto, comme il l'avait le gars. Les armes full auto sont vraiment très très fortes sur ce jeu, notamment le fusil à impulsion qui vous permet, en fait, de... Tu tires comme ça, c'est GG. Alors il est quelle heure? Je pense qu'on a le temps de se faire une autre petite session normalement, sans trop de problèmes. Alors j'espère que vous appréciez malgré tout. Alors tonton on est nul. Ah mais non mais je suis nul à chier sur le PVP. Moi je le dis depuis le début, hein. Je suis vraiment pas un joueur PVP. J'ai pas du tout l'expérience pour le moment. Ah quoi que, attendez, peut-être que si je fais level up l'arme, elle est bien. Elle fait quoi? Augmente la vitesse de recharge de cette arme lorsque le chargeur est vide. Ok, on s'en fout. Après on a une impulsion, juste pour le tester. On a un 81 d'impulsion. Alors ça sera un petit peu moins puissant, mais... malgré tout, on sera plus quand même plus tranquille. On aura de l'impulsion. L'impulsion, c'est plutôt nice. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? On va regarder un petit peu au niveau des stuff. On n'a rien. On manque un peu de stuff quand même. Hein. On est un petit peu trop basique. Mais c'est pas grave. On va devoir farmer un petit peu. Donc voilà, level 10 passe à des level 21. Je vous laisse imaginer que les mecs tankent un petit peu plus pour le coup. Ça fait mal quoi. Mais moi, je suis pas dernier. Fais gaffe au radar en haut à gauche. Ça aide. Je regarde souvent, mais des fois, c'est le radar, je trouve qu'il est pas super précis, honnêtement. Des fois, on a l'impression de voir ce qui se passe, mais en fait, pas du tout. Tu dis, bah, le mec, il est sur. Enfin, le mec, tu dis, il est loin, mais en fait, il est quasiment sur toi. Inversement, je trouve qu'il n'est pas ultra précis à ce niveau-là. C'est pas grave. Ça aurait été plus sympa si c'était tout simplement des petits points rouges, hein, comme on l'avait, je crois, sur Halo. Là, on saurait vraiment ce qui se passe, quoi. Alors, pour la dernière, tonton, tu finis premier avec deux fois plus de kills. Allez, on va essayer. Oh, calmez-vous. Hein, pour... Là, je l'ai reconnu que j'ai nul à chier sur le jeu. Laissez-moi dans ma nullitude, laissez-moi m'amuser. J'enjoye le jeu pour ce qu'il est pour le moment. On verra pour le reste. En tout cas, c'est cool quand même. Hein. Le jeu est vraiment très sympa. J'aimerais bien avoir une map. Une map avec des véhicules. Je sais pas si on peut. Oh, le Cosmodrome Terre. Eh. Est-ce que je l'ai fait cette map? Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, ça doit être ma quatrième session de PVP. Hein, mais enfin, j'ai joué sur 4 maps, une fois à chaque fois. C'est très peu. C'est très très peu. Alors que tu vois, des mecs, ils n'ont fait que ça. À la limite, ils ont level up en PVP. Les mecs, ils savent ce qu'ils font, quoi. Non, vraiment, il y a des gens qui sont très très bons sur les FPS, pour le coup, et ça se ressent, quoi. Et allez, on est 6 pépères, on est bien. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des classes qui sont beaucoup plus orientées à PVP que d'autres. Hein. Notamment, je trouve que le Titan, c'est vraiment pas la classe la plus souple en PVP. Hein. Je trouve qu'elle galère un peu. Ce qui lui manque, en fait, tout simplement de la mobilité. Et la mobilité, je pense que c'est ce qui fait vraiment la diff en PVP. Hein. Je pense qu'on a du monde qui va arriver par là. Non, personne. Ah si, ça frite un peu. Hein. Ça frite juste ici. Ça a déjà marqué du coup. Allez, mon gars! Garde du corps! Je suis un mec comme ça, on vient de passer en tête. Bon, en même temps, je l'ai full auto, le mec, alors qu'il était... je l'ai flanqué de port. Le mec, c'est normal qu'il soit fait défoncer. Hein. Vous ne voyez pas, il ne pouvait pas tellement réagir. Il était occupé sur une autre cible. Là, j'ai un petit peu, chaté du cul. Et pour l'instant, on est bien en tête, hein, j'ai l'impression. Non, 500. Non, on n'est pas si en tête que ça, en fait. J'ai de la merde. Alors, le mec est là. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un autre? Je sais pas. Je vois personne. J'adore les jeux comme ça, l'arène est toute... Ah merde, j'avais pas rechargé. C'est pas grave. Je croyais que j'avais rechargé, autant pour moi. D'habitude, je le fais toujours par réflexe. Je suis un gros... Vous l'avez vu, hein, je spam la recharge. Là, je l'avais pas fait. Ah, le mec est mort. Non, hein. Le mec est mort encore. J'aimerais bien un moment tirer sur quelqu'un de vivant. C'est pas le moment de recharger. Alors les munitions partent très vite par contre sur ce flingue. Je suis pas habitué. Je m'attendais à ce que... Oh, putain. On est dans la merde. Enfin j'en ai vu un. On court. On va se mettre à l'abri. Courons, fuyons, lâchement, le temps de se recharger. Ah! Putain, il venait d'arriver. La déception. Bon, pour l'instant, on a mis au moins un frag, on est plutôt pas mal. Mais alors, le problème, c'est que je suis arrivé à chaque fois sur les frags, les mecs étaient déjà morts. Donc, je peux bien, mais tu peux pas prendre de points si les messieurs sont bourrus. Ça ne va pas. On a les balles, c'est plutôt bien. 21 balles dans le chargeur, ok. Bon, ça part vite, hein, quand même, parce que c'est des rafales de 3 à chaque fois. Ça part plutôt vite. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle fasse ultra mal. J'ai une impression, je ne sais pas. Alors, regardez, là, c'est par exemple sur le radar, techniquement. Je vois des gens, mais des gens, je ne vois pas. Enfin, je vois qu'il y a des points rouges, mais ils sont de l'autre côté. Il y en a un sur le côté, on l'a vu, il est là, on va essayer de le rusher. Quitte à crever, c'est pas grave. Personne. Putain, mais je regarde le radar, je vois personne, c'est infâme. Alors qu'il y a des points rouges partout. Hein. Oh, le shotgun. Bon, bah là, clairement, play for fun today. Ah bah oui, ça se sent, hein. Le mec au shotgun, dans un truc comme ça, tranquille et mille. Par contre, le shotgun fait très mal. J'ai pu constater que ça pique. Munition spéciale. Continue. Est-ce qu'on a du... Alors, les couloirs, ne plus jamais quand un mec a un shotgun. Il est là-haut. Ah putain, il s'est mis fufu.
Allez mon gars! On l'a défoncé, il a essayé de nous prendre à revers, genre de dos, etc. Non, pas du tout. Tu es mort comme un caca, voilà ce que tu es. Oh putain, il y en a un en face. Il y a des munitions lourdes. On a des munitions lourdes, on a touché, 61 de dégâts. On va faire gaffe. Il est... Oh! Oh! Oh lui, il rigolait zéro. Ah mais ils étaient deux! Il y en a un qui m'a rushé par devant, tout s'explique. Ah, la déception. Vous n'êtes plus en tête. Pourquoi je recharge alors que j'avais tiré de... Oh! Ah d'accord, c'est au bazooka! Le mec a son bazooka déjà. Très bien. Le mec m'a allumé, one shot au bazooka. Tout va bien. Eh mais c'est pas grave. Je me suis dit, mais... Oh, le mec en sautant, genre bazooka, tranquille, qu'est-ce qui se passe, pépère? Posé. Oh, je l'ai eu! Oh, le shotgun! Oh, le shotgun, mon gars! Oh, le shotgun! Ça, c'est mon copain, le shotgun. C'est bien ça. On l'a eu! Il s'y attendait pas, je m'y attendais pas, on a tiré, j'ai tiré plus fort. Oh! Au bazooka! Gros Starlouse, va! Vous avez vu ça, au bazooka! Arachnos! Mais dis donc, t'es pas un de mes viewers, toi, espèce de salopard! Ça me dit quelque chose, Arachnos. Mais tu le vois! Abuse pas! On l'a vu, il est où? Il est où? Il est mort? Ah, il est mort, j'ai l'impression. Très bien, ça va. Oh putain, il se fait allumer, genre sévère. Qu'est-ce que c'est, ces trucs? Wow! My god, c'était quoi ça? Je sais pas ce que c'est, par contre. Il est mort? Il est mort? Il est pas mort? Il est mort? Il est pas mort, hein? Il est pas mort, cet enfoiré. Oh! Oh! Que ce c'est? Attends, Arachnos au cut? Mais il s'est pas approché. Comment il avait pu... Alors, comment il a pu m'avoir au cut, le mec, à 20 mètres? Un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Ou alors, je connais pas du tout cette clé. Ah, nice! On est super chargé, tout va bien. Une grenade de qualité. Ou notre... Mais meurs, merde! Mec, on lui envoie tout, il tend comme un schlag! C'est pas possible! Mec, on lui a vidé tous les chargeurs dans la bouche, le mec, rien du tout. Que dalle, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, il est là. Je crois qu'il nous a pris revers. Oh, le petit salaud. Oh! Oh, de dos. Très bien joué, Arachnos, en tout cas. De dos, level 24. Bon, le mec a un petit peu de stuff. Très bien, tu tues les level 10 avec 14 levels de plus, donc t'as plus du double de mes levels. Gros respect! Très bien. Juste pour ça. Je vais claquer mon ulti pour toi si je te vois. Est-ce qu'il est... C'est bon, je l'ai eu! Je l'ai eu! Yes! Organtar a éliminé Arachnos! Allez, mon gars! Je suis mort par son copain qui m'a tué, mais c'est pas grave, je l'ai tué quand même. Ah, on l'a eu. Ça, c'est ça qui est bon. C'est bon. Il est mort. Il est mort, tout va bien. On l'a eu. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Je ne sais pas. J'ai croisé un gars, mais c'était un copain. Il n'y a personne par là. On l'irait. Et pour le moment. Alors, on en est où? Les munitions lourdes arrivent. Munitions lourdes arrivent, très bien. Alors, comment ça se fait que le mec avait déjà ses munitions de... Bazooka. Oh, oh, sur le côté? Comment il a réussi à m'avoir? J'ai caché derrière un mur. N'importe quoi. Pourtant, à what? Oh, derrière moi. Ça pue du... Oh, oh. Yes! Je l'ai eu! Avant de die. Oh, je suis pas die. Oh, la chatte. Après, j'ai bien fait de switcher sur le bazooka, sur le shotgun. Ouais, d'accord, le mec, je lui fais 24 points de dégâts, tout va bien, it's ok. Le mec, lui, il m'en fait 100 par coup, quoi. Tout va bien. C'est normal, je le vois pas sur le radar. Tu es là? J'envoie une grenade, on sait jamais. Je vais toucher personne, c'est pas grave. Il est sur le côté. Il reste 5 minutes. Il est là, je le vois, je le sens. Tu es là, tu m'entends. Eh oh. Allez! Mais c'est trop cassé en fait le shotgun. Le shotgun il est cassé. Le shotgun c'est trop bien. Mais là j'ai plus de munitions dans le shotgun, je crois. Putain. Ouh. Oh non, c'est son copain qui m'a flanqué, c'est même pas. Ah si, c'est lui. Ah, il fait un petit peu le barbeau, regardez et tout. Tu vois, il joue bien. Vraiment, il joue vraiment très très bien, le Arachnos. Il nous nique complètement. Ah ouais, je pense que c'est eux, ça doit être eux, les bleus. Clairement, ils sont en avance par rapport à nous. Ils sont où? Allez, mon gars! Le frag! De dos!
Comme une grosse tarlouse. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on prend les frags, nous. Et j'en ai quelques-uns. J'ai dû en avoir au moins 5 de frags. 5 ou 6. C'est pas mal. J'ai plein de points rouges autour. C'était quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe? What? Alors, attendez, mais d'où il m'a tué, le mec? J'étais derrière deux murs. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse m'approcher. Narmol. Tout va bien, j'ai pas compris. Alors là, pour le coup, je vous avoue que je ne sais pas du tout de quel côté je me suis fait tuer. Peut-être au-dessus, on sait pas. Mais pour l'instant... Oh, putain. C'est bon. Et je le peux pas. Eh non, pas du tout. Tu dois die. C'est quoi, un peu? Ah mais je tirais au shotgun, je visais au shotgun, quel con. Oh, l'autre qui arrive sur le côté. Et le Heraknos, il est relou. Hein. Il est vraiment, vraiment relou. Et donc oui, j'essayais de viser, mais je me disais, mais pourquoi ça part pas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui m'allume? J'essayais de viser avec le shotgun. Je croyais que j'avais mon arme, tu sais, mon arme d'assaut. Pas du tout. Comment ça se fait que ça tire comme ça, cette merde? Ça tire pas comme ça. Oh, on a perdu, la déception. Tue-moi, tue-moi, te dis-je. Allez. Combien j'ai fait de points sur cette map? On va voir un petit peu. Il t'a balancé une AOE sans doute. C'était quoi ce cri de dauphin? Vous savez, c'est celui de surprise. En mode, tu croises un gars, t'as pas envie de le croiser. Allez, combien j'ai fait? Pour voir quel point je suis nul. Est-ce que je suis pas dernier? Je suis pas dernier. 7-11. On s'améliore sur le ratio mort-kill. On est déjà pour... On n'est pas positif, mais c'est plutôt pas mal. En plus, on chope un petit peu de stuff. En tout cas, il y en a qui ont fait pas mal de... 18-16, c'est pas trop mal. 7... Ah non, mais le mec il fait pas d'effort lui. 0-7-2, mais moi je fais pas ça. Mais moi j'ai fait un kill, j'ai jamais fait Fanny jusqu'à présent. 2-13. Mais je comprends pourquoi on perd, parce qu'il y a des gens encore plus mauvais que moi. Et c'est chaud parce que je suis vraiment pas bon déjà de base. Mais vraiment, le Heraknos en face jouait très très bien. Je sais pas si on peut voir son score. On peut pas voir son score. En tout cas, le gars jouait vraiment très très bien. Il est combien? Il est 41. Bon, allez, on se met une petite. On s'en fait une petite. Tu feras des multis avec tes viewers sur Destiny. Yes, on le fera, les amis, en tout cas. Et c'était pas trop... C'était mieux. C'était pas bien, mais c'était mieux. Putain, faudrait que j'aille... Je peux pas aller le... Oh, faudrait que j'aille sur la planète, mais là, j'ai pas envie. On continue, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Le même cri que Coluche. C'est à peu près ça, quoi. Le... Vous savez, comme il fait Coluche. C'est comme ça, vous-même, Franck Dubosc. C'est chaud. C'est chaud. Ah, mais Heraknos! Sale enfoiré, va! C'est un viewer, je suis sûr, regardez, c'est un viewer, il est avec nous. Ah, le salaud! Lui, il a bien, bien campé le jeu, salopard. Et m'a bien, bien campé le cul aussi. Regardez, le mec, il est level 24. Est-ce que je peux l'inspecter? Est-ce que je peux le spectate? Bah, d'accord! Fusil automatique, 219 de damage! Le mien fait 80 de damage! Vous comprenez pourquoi je me fais déchirer le cul? Le mec, regardez, a des armes jaunes. Je sais même pas ce que c'est, des armes jaunes. J'en ai pas vu! 858 de défense. Je vais vous montrer ma def à moi. J'ai 169 de def. Donc vous comprenez pourquoi je me fais déchirer depuis tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Le Heraknos qui était un petit peu genre trop bien dans sa map, c'est parce qu'il a un stuff de bâtard quoi. Le mec a 8 fois ma défense et a 3 fois mes dégâts sur une arme. Alors si en plus le mec est déjà meilleur que toi, tu ne le tues pas, tu ne peux pas le tuer, à part avec un ulti. En 1-1, il va forcément te déchirer le cul. Ou alors tu l'as de dos, en traite, il te voit pas, tu tires dans la tête. Mais en tout cas, voilà, c'est le petit... Pour moi, c'est un petit peu le défaut de ce jeu, c'est que je trouve que, malheureusement, quand tu vas en PVP, c'est un petit peu comme... Bon, en même temps, c'est logique, hein, c'est comme quand vous faisiez du PVP à l'époque, dans Goulet des Champs de Guerre, par exemple, Warsong, quand vous arriviez... Level 11 face à des Twink level 19, bah vous y êtes tout shot, c'est tout, c'est normal. Bravo Heraknos, je suis très déçu. Là, un jour ce sera sur PC. Je sais pas les amis, je sais pas. Il t'a envoyé un message. Oui, j'ai vu les amis, mais là je peux pas le dire en direct, ça serait con là, en plein chargement quoi. C'est pas normal, ils devraient équilibrer les games. Et c'est vraiment pour moi le point noir, je trouve, c'est que vraiment ils ont pas équilibré les games. Donc là, fatalement, des fois, des moments où je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas si mauvais que ça, je lui ai mis un full auto dans. Bah non, c'est juste qu'en fait votre arme fait pas de dégâts, que le mec a 10 fois votre défense et que lui, bah, il vous a touché. C'est à peu près ça. Alors je ne sais pas exactement s'il y a. Oui, il y a un côté progressif, tout à fait. Vésuve. Sauf que, malheureusement, c'est vrai que ça sent quand même le déséquilibre en PVP. Alors, bien entendu, il y a aussi le skill. Hein. Moi, je suis vraiment pas bon en PVP, c'est surtout ça. Mais clairement, vous sentez que le mec, si en face, il a des armes de ouf, bah, vous pouvez pas lutter. C'est pas grave. Vous êtes là pour vous amuser, vous n'êtes pas forcément là pour gagner, vous êtes là pour gagner de l'XP, donc vous en profitez. Pour ceux qui posent la question, pour m'ajouter, j'accepte tout le monde, c'est Argantar. Qu'au faire les 10 divs comme sur LoL. Choc. Mais c'est même pas une question de div en fait sur LoL. Là, il faudrait qu'en fait, ils normalisent tout simplement le stuff
pendant les sessions PVP. C'est-à-dire qu'on a une arme, bah, toutes ces armes sont capées à un même niveau de dégâts, je pense. Hein, ça serait l'idéal. Oh, est-ce qu'on peut prendre les... On peut prendre des passereaux, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais on va le suivre. Je sais pas du tout où je vais. Il peut pas tirer, le mien. Ah, le mien, il pue la merde, il peut pas tirer. Oh, mon Dieu! On l'a tué. Nice. Oh, mais regardez, ils ont des passereaux qui tirent. Moi, je veux ça. Allez, mon gars, le frag. Elle est trop bien, cette map. Elle est grande, on voit de loin, on peut pas se faire choper par des petites pucelles. Est-ce que je peux récupérer l'arme du copain? Non, on peut pas. Ah si, monter sur le pike. Comment on tire? Je crois que j'ai trouvé. Non, pas du tout. C'est quoi le bouton pour tirer? C'est quoi le bouton pour tirer? Je me trouve... Je connais pas le bouton pour tirer. Ah, c'est dommage, j'avais la monture qui tire. Mais j'ai essayé de... Bah, j'ai essayé le bouton de tir, en fait, ça a pas marché. Ou alors, je me suis peut-être... je sais pas. Je me suis peut-être gouré. Eh, cette map, elle est cool. J'avais jamais fait, j'aime bien. Ah, on va partir là-dessus. On va voir. Mais pour l'instant, on a une assist, on a un frag, on est pas trop mal. Hop, on va se cacher dans le complexe lunaire. Oh, c'est nice. J'aime bien cette map. J'aime beaucoup. Oh, je me suis fait sniper d'en face, le salaud. Ah, la map à Campouze. Donc ici, on peut sniper tranquillou. Eh ben, écoutez, très bien, on le saura. Première fois que je fais cette map. Et pour l'instant, je l'aime bien. C'est un peu bordel, je vous le cache pas. On va essayer d'y aller à patte, hein, parce que clairement, je sais pas du tout où je dois aller. Le but, c'est de défoncer des mecs. Donc ça, par contre, on sait. Oh, il y a un mec derrière. Il a un pike. Oh, il est mort. Il est mort, je crois, le monsieur. Il est mouru, tout simplement. Au moins qu'il ait tué mon pote. Non, il a l'air d'être mouru. Mais écoutez, je ne sais pas. Je te suis, Arachnos. Dansons, c'est le moment de danser. Non, mais je veux danser avec Arachnos. Elle est horrible, cette danse. Elle me rappelle une danse dans American Dad, à un moment, quand Roger devient dirigeant. Ah, attends, tu te calmes. Est-ce que c'est toi qui m'as shooté? Ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, les mecs, moi, je veux bien, mais je vois personne, hein, par contre, sur cette map. Oh putain, c'est quoi ce vaisseau de ouf? Le mec a un vaisseau de bâtard. A mon avis, ça, il faut du bazooka pour l'avoir. Qu'est-ce que c'est, ça? Munition spéciale. Oh, nice. Alors, il y a des gens là. Alors, elle est bien, cette map, mais il y a personne. Enfin, si, là, elle est très grande. Elle est un tout petit peu trop grande, je trouve, pour le coup. Il y a du monde, là. Je sais pas pourquoi il y a du monde. Ouh, Arachnos qui vient de se faire défoncer, à mon avis, par... What? Oh, de dos! De dos par le mec qui a le... Comment s'appelle? Quel véhicule? Je pensais que c'était lui en face, je me suis dit, on va le face, on va essayer de le brain un petit peu. Non, pas du tout! On s'est fait défoncer comme un caca. Oh? Oh? Je peux prendre ça? C'est quoi? C'est une tourelle? C'est une tourelle? C'est une tourelle? Trop bien! Je peux tirer? Ah oui! Ah, c'est juste qu'elle met du temps. C'est une sulfateuse. Super, j'ai une tourelle. J'ai une munition illimitée. Et ça ne sert absolument à rien ce que je fais. À faire vibrer ma manette, c'est infâme. Oh, ça surchauffe, très bien. Oh, ça c'est nice que ça surchauffe. On va prendre le passereau. Alors, dans ces moments-là, j'aimerais bien voir un passereau qui tire. Enfin, le spike, hein, je pense que ça s'appelle comme ça, le pike ou le spike. Il y a du monde. Personne. On va prendre le truc. Il est où mon truc? Alors, contrairement, oui, effectivement, à ce que j'ai dit tout à l'heure, tant la première map, elles sont vraiment petites, tout le monde tout sur la gueule. Là, par contre, y'a personne, c'est un peu dommage. Oh, si, y'a un mec là. Oh. En train de se fumer la bouche. C'est bon, j'ai l'assistance. Ah, et l'autre avec sa monture qui arrive et qui fait le ménage. Alors, les montures m'ont l'air d'être un peu cassées par contre. Enfin, les vaisseaux, ils ont l'air de faire très très mal. Après, c'est logique, hein, c'est normal, c'est des vaisseaux. Vous faites tirer par du gros calibre, ça semble logique, mais bon. Tu peux, le mec il l'a, bah, c'est un peu le roi du pétrole, quoi. Il a ça, c'est terminé, quoi. Il campe tout le monde, il les défonce et c'est terminé. Est-ce qu'on peut en prendre? Oh, ça tire d'où là? Alors j'aime bien ce moment où tu te fais tirer dessus, t'as même pas le point rouge à l'écran, tu sais pas du tout où tu te fais tirer dessus. C'est un petit peu infâme. Un petit peu de caca. Je sais même pas où je vais. Oh putain. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien, je comprends rien. Allons-y! Meurs! Oh, c'est écrit en chinois, c'est cool. C'est le mec qui a rien à foutre. Je sais pas ce qui se passe. Ah non, pourquoi? C'est au moment où je saute avec de l'inertie que l'autre enculé arrive et me défonce! J'étais là en mode, je peux pas éviter! Je fonçais en inertie comme ça sur lui. C'était infâme et il m'a déchiré. Bon,
Cette map est un petit peu chelou. Je l'aimais bien, mais ça c'était avant de comprendre qu'en fait elle fait 18 km de long et qu'en fait tu ne peux pas te tuer. Que... Enfin si, tu peux te tuer, mais... Alors en fait, soit il n'y a personne... Ah, c'est mon... Et là, je pouvais pas l'avoir juste avant la supercharge, bien entendu. Alors soit il n'y a personne, soit d'un seul coup, tu as plein de monde, tu te fais déchirer. Ah, Eraknos est là. Je vais suivre Eranos. Eraknos, Eranos, je ne sais pas. On va continuer. J'ai cru voir un truc. Passer un instant. Il n'y a personne. Il y a du monde. Il y a du monde derrière. Il y a du monde. Il y a du monde. Je vois pas. Je vois un point rouge là-bas. Il y a personne. C'est infâme. Des munitions lourdes arrivent. On s'en fout. Oula. Ils sont où? Oh putain. Oh. Oh. Oh le bâtard. Il m'a mis un ulti. Hein. Il m'a mis l'ulti. Mais je le voyais pas le mec. Moi je veux bien. Mais tu le vois même pas. C'est marrant ça quand même. Non, je vous ai dit, le radar... Oh non, 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 non. Val, petit oiseau. Il est peur. Non. Vous avez vu le vaisseau qui est là? Est-ce que je peux l'avoir avec mon supercharge? Je vole. Je vais mourir. Il va viser où j'atterris. Oh mon dieu. Je t'ai brainé. Ah. Putain! Oh, je lui ai fait quelques dégâts, mais pas suffisamment! Oh, l'enfoiré! Tuez-le! Tuez-le! Je l'ai quasiment démonté! Oh, la déception! Je me suis dit, je peux m'approcher. En fait, il va tellement vite que bah, j'ai pas réussi à gap close suffisamment pour lui mettre mon ulti. Oh, la déception, quand même! Plus personne. Je vais prendre la tourelle, qui ne servira à rien parce qu'il y aura personne. Mais en fait, dans ces maps-là, je pense qu'on devrait jouer à 10 versus 10 ou un truc comme ça. 6, c'est trop peu, en fait. On sait pas où il y a personne, en fait. Là, depuis tout à l'heure, je vois juste un connard dans un véhicule. Voilà. Et les autres, on sait pas où ils sont. C'est un petit peu la tristesse, quand même. Puis j'ai utilisé mon ulti pour rien, du coup. Il y a du monde. Oh, putain. Oh, j'ai eu le frag. Retour sur le terrain, mec. Ah non, mais l'autre qui arrive derrière, le Koh-Lanta, là. Salaud. Salaud fumier, va. Chewbacca. Chewbacca. Il y a Chewbacca avec nous aussi. Bon, c'est la merde. Vous avez reçu un message, calmez-vous les mecs, ça sert à rien de m'envoyer des messages pendant que je suis en train de live. Un peu plus tard, promis, je les lirai, mais là tout de suite je peux pas. Où sont les véhicules? Mais j'aimerais bien savoir où est le véhicule. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Je pense que le véhicule m'a trouvé. Je m'en vais. Ça va, on va vite. Non, c'est un copain, ça sert à rien de tirer, mongol. Ah putain. Je vais suivre Eranos, lui c'est à peu près ce qu'il faisait depuis tout à l'heure. Personne en fait, putain si. On avait un là-bas. Comment tu fais pour aller aussi vite ou en volant? Je vais pas vite. Hein. On a mis quelques headshots, mais ça a pas suffi, des petits crits. Hein. C'est énorme. On l'a eu, la petite assistance qui met bien. Waouh, ça vient de me frôler les amygdales. C'était chaud. Il y en a un. Il est où cet enfoiré? Il est là le gros. Ouais, non, mais ça va l'armure, le mec, je lui ai dit 2-2-2-2-2. Je veux bien au bout d'un moment, mais c'est pas du tout équilibré ce jeu. Nul. Oh putain, il y en a un en dessous, on l'a vu. Il est parti où? Il est parti où? Est-ce qu'il serait pas derrière moi? Ah mon dieu! Oh la vache, il m'a défoncé quoi. Il m'a bien défoncé, il m'a fini. Bien joué, il a vraiment bien joué pour le coup, j'ai très mal joué moi de mon côté. Il m'a bien défoncé, il avait la vision, il m'a eu, il a pu sauter tranquillement pendant que j'étais en l'air et que je pouvais pas esquiver. Alors ça c'est vraiment le problème, c'est quand vous êtes en l'air, vous esquivez pas du tout. Hein. Vous êtes vraiment trop. En fait, vous savez que vous faites. Donc le mec a juste à vous shotter en auto et c'est très facile pour lui de vous allumer. Par exemple là. Mighty, on a touché. Ah c'est bon, on l'a eu. Non, on l'a pas eu, pas du tout. Vous avez vu? Non, il était en l'air, c'était très facile pour moi de l'allumer. On a du monde, il est level 8. On va essayer de le choper. Voilà. Presque fini! Enfin, presque. Presque. Il est où? Il est où? Je le vois pas? Il est où? Presque beaucoup. Oh putain! Oh! Seriously? Au fusil à fusion. Bien joué de sa part. Bien joué. Pourtant, j'ai mis un tir de shotgun, mais il a esquivé le salaud. Pourtant, c'est compliqué à esquiver le shotgun. Il a réussi à m'avoir avec le fusion. Il a bien attendu que j'arrive vers lui. C'est dommage que j'ai perdu de vue quand il est tombé au sol. Sinon, j'aurais pu l'allumer, parce que là, il n'avait plus grand-chose. Volons. Putain. Snipons.
C'est un peu loin quand même. Pour un fusil, pas trop de précision. Fusil automatique, tu galères. Il reste 5 minutes. Il reste que 5 minutes. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges, il range. Femme de ménage. On a vu qu'il y en avait un à gauche. On va essayer de le shooter. Ah mais il est mort. D'accord, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh putain, je le veux ce truc. Je le veux, monter. Alors comment ça tire? Oh trop bien. What? Wouhouhou. Oh tu l'as raté. Ah bah oui mais ah, t'es mauvais. Oh putain, attends, je me fais auto par une... Eh oh mais... Sérieux? Arthéon. Eh, je suis sur lui depuis tout à l'heure, c'est rouge. Non mais depuis tout à l'heure je suis Arthéon. Rouge sur lui. Ah mais je l'ai eu mec, regarde. Non, t'as eu une assise. C'est pas grave, je l'ai touché quand même. Ça veut dire que je l'ai touché. T'es pas très bon, hein. Attends, regarde. Oh. Ah bah oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Hey, très bon. Mais regarde, les missiles ont tellement d'inertie. Passez en tête. On passe en tête. Wouhou. Putain. Arthéon. Mais mec. Et Arthéon. Il est beaucoup plus mobile que moi. Oh. Oh, 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 il a pris cher, là. Gars. Non, par contre, derrière, il y en a un qui m'allume. Par contre, quand ça touche, ça pique. Ouais, quand ça touche, ça pique, mais c'est chaud. Oh c'est chaud. Allez, non, je veux pas mourir. Eh mais je peux pas. Il est full sur moi. Ça a aucune mobilité mon gars. C'est. Alors là il y en avait un devant, un derrière. Et ils ont bien joué. Dès qu'ils ont vu que j'avais le ghost, ils sont allés sur moi. Ah j'ai ma super charge. Nice. Mais OMG, c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? C'est qui ce Vélan là? C'est typique à le régisseur qui fait pas son travail. Vous avez vu ça? Les régisseurs se font tellement chier chez nous qu'ils sont dans le canapé en train de me regarder faire de la merde. Ton régisseur il attend que tu mettes la pub. Tu vois je l'ai eu lui. Il est parti. Il peut pas jouer. Oh putain. Wow. Non mais par derrière les mecs. Irrespect total. Cours, cours. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Ah c'est bon, il y a personne. Pour le moment. C'est tout. Dans cette map là en tout cas, sortez les snipes les gars. Sortez les snipes. Parce que clairement, vous jouez toujours de loin. Presque. J'avoue que la map est grande. La map là, elle est super grande. T'as des couloirs à l'intérieur quand même. Ouais, d'accord. Boum! Ok, ça de la même. Non mais mec! Il était sur la trajectoire de mon truc, il était dans la range de mon truc, ça ne l'a pas touché. Ça n'a aucun sens. Oh mon dieu, t'es mauvais. Non mais mec, ça n'a tellement aucun sens. Il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il peut pas jouer. C'est ma manette, c'est mon jeu. Vas-y, fais voir. Meurs. Fais tu voir. Sais pas jouer, arrête. Fais voir. Non, tu vas me faire peur. J'ai jamais joué à la console, mais fais voir. Tu vas me faire peur. Enfin si, j'ai joué oh, à quand même, t'as joué à la console. J'ai fait beaucoup de Halo. Ouais, non, mais ça c'est typique les mecs. Ouais, non, mais moi j'ai toujours un PC, tu vois, genre de compète, je faisais du... Non, tu te calmes. Vous êtes pas mort, gardien. Mais... Alors, est-ce qu'on gagne pour le moment? Oh putain, il est là. Écoute, cette map est très très chiante. Finalement, je l'aime pas. Au début, je l'aimais bien, j'étais là, oh, elle est grande et tout. Génial. Bonsoir à vous, les viewers. Bonsoir, Easy. Oh putain. Oh, il est là. On va essayer de le shot comme ici. Ok, il n'y a plus personne. Pourquoi quand il y a du monde et après il n'y a plus personne? Il a pris un coup de shotgun, le mec n'a rien pris. C'était infâme, quoi. Par contre, lui, il a son fusil à fusion, il m'a bien défoncé le cul, quoi. Les lunettes de soleil, c'est pour rester anonyme. C'est beaucoup trop swag, on ne sait pas qui c'est. Cet homme est masqué. Tout à fait. Par contre, je suis quelqu'un de connu et RL. Je pense que j'ai un score bien. Il faut, sur cette map. Que je reste caché. Sous un pseudo. Où qui sont? Je vois personne hein, pour moi. D'ailleurs, faudrait que je mette un chapeau. Mais pas... Tu veux mettre un chapeau? Pourquoi tu veux me couler? Je vais mettre ça. Tu veux mettre un chapeau? On met ça comme ça, on sait pas qui voilà, je suis. Ou alors on peut faire comme les autres, c'est-à-dire jouer à 3. Comme là. Ça, c'est plus facile de faire des frags. Là, on sait pas qui je suis là. Attends, y'a un mec là. Y'a un mec, je vois un pas rouge. Et allez, vas-y, on descend. Là, je suis masqué. Oh, oui, oui, oui. Non mais, c'est ouf! Au cac, le mec ne prend. Je vais derrière. Ah, oh, c'est bon, je l'ai eu. C'est pas grave, je suis mort. Votre équipe a perdu. Eh ben, c'est la déception. Et je suis dernier sur cette map. Et j'ai un score, à mon avis, bien, bien dégueulasse. Quoi. Oh, regarde, ça s'est joué à 100, à 1000 points, même pas. 1000 points. Eh ben, c'est dommage, finalement, on n'aura pas réussi, quoi. Tête égale coup critique. Il est nul. Mauvais. Mais très nul. Mais moi, je l'ai dit. Il est mauvais. Le truc, c'est. Au moins, je l'ai annoncé. Je suis nul à chier pour l'instant sur ce jeu. Mais je vais m'entraîner à la maison, t'inquiète pas. Eh, ceci dit, j'ai pas fait zéro comme le mec qui a fait tout à l'heure. Lui, il a fait zéro, moi. Putain, 3-13, bien dégueulasse. Hein. T'es fier de moi? Est-ce que t'es fier de moi? J'ai même pas eu de récompense. Eh, les mecs ont des armes bleues. Tu m'étonnes aussi. C'est pas très bon, hein. Non, mais les mecs ont des... Oh, 40 flags, frags, Arachnos. Le mec, c'est un petit peu bien. Alors, je vais juste... Regardons un truc. Tiens, est-ce que tu peux le voir, ça? Alors, attends, regarde, quitter. On va quitter le matchmaking. Je vais juste te montrer le comparatif des stuffs. Tu vas comprendre pourquoi on se fait déchirer. Ah mais attends, sinon je peux juste mettre ma capuche. Tu peux mettre ta capuche. En fait. C'est bien, t'es bien là. Il est pas mal. Il est sexy.
Moi j'aime bien ça. Bon messieurs, dames, de toute façon on va finir cette petite session. Attends, je te montre d'abord le stuff. Reste ici. Je reviens. Alors regarde. Qu'est-ce que tu me montres? Regardez Ragnos. On va... C'est qui Ragnos? Alors c'est le mec qui a fait 40 frags. Ah je crois que c'était... Alors regarde le mec. 858 de défense. Arme 219. Oh galade. Tu vois, arme 219, 260. Maintenant, je vais te montrer mon matos. Et là, tu vas rire. Non, c'est pas ça, c'est pas cette touche. On n'a pas la même défense, je crois. Des tanks? Oui. Ah. Lui, c'est un DPS. Ah, il a cette sorte de. C'est marrant de comme plus. Quoi avoir 15 niveaux de plus qu'un mec, ça aide en PVP. Hein. Et là, regarde, assaillant, 81 de damage, le mec, son arme 260. Différence. Donc oui, on expliquait, l'équilibre n'est pas très présent en PVP sur ce jeu, c'est un petit peu compliqué, en tout cas Arachnos a très très bien joué. À mon avis, le mec a bien campé le jeu. Toi tu n'as pas à avoir de boulot, espèce de salopard, j'aurais fait la même chose si j'étais à ta place. Bref les amis, cette petite session de PVP est terminée, j'espère au moins ça vous a fait marrer, vous avez pu voir différentes maps, on n'a pas vu différents modes de jeu, on n'a vu qu'un seul mode de jeu, mais vous avez pu constater que pour l'instant c'est pas ça de mon côté, bah, j'espère moi, que ça vous a fait. Le stuff ne change rien en PVP. C'est faux, c'est absolument faux. Tu excuses, c'est absolument faux, je suis certain qu'il tankait vachement plus. Quand j'en mettais des coups de shotgun, les mecs ne mouraient pas. Moi, je mourrais en instant. Ça, tout s'explique. Bref, les amis, comme je vous l'ai dit, j'espère que cette petite saison de PVP vous a fait rire. C'était donc sur Destiny. On va faire la petite outro. Et bien entendu, juste après la coupure de publicité, on partira sur du League of Legends en votre compagnie, les amis. Histoire de terminer sur un petit peu de LOL cette soirée de 4h, ce petit prime sur la TV2. Bien entendu, si tout ceci vous a plu, c'est dans l'autre sens. Abonnez-vous. Voilà, par là-bas. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, tout est cliquable. Si vous voulez voir du Nasus qui one-shot des gens, parce que sur ce jeu, je suis quand même vachement meilleur que sur Destiny, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Et bien entendu, 101 kills, c'est de l'autre côté. J'y arrive pas, hein, c'est un petit peu... Oh, Vélan, tu te calmes. Pas sûr que tu sois Vélan, tu te calmes. Je suis platine sur LoL. Là, je suis pas... je suis bronze 5 sur... même pas, je suis pas bronze, je suis un rank. Tu t'es fait PL sur LoL. Je suis un rank. Tu t'es fait PL sur LoL. Toi aussi, tu t'es fait PL. Oui. Tu t'es fait PL Diamond, parce que t'es nul. Ah non. Hey, on devrait faire de la duo. Ouais, mais là, je bosse. Oh, tu bosses. Oui. Mais non, tu peux. Bah non. Tu fais pas d'efforts. Y a tout que je peux pas. Ce soir, dès qu'on rentre, on fait de la duo. Ouais, mais là, y a on fait ça. Donc... Bon, allez, on va finir là autour de la vidéo. Si vous voulez voir les 101 kills de Nunu, c'est par là-bas, bien entendu, au-dessus. Et bien entendu, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, Arteon le Guerrier, mon Facebook, mon Twitter, @ArteonNoob. Bon, on se retrouve, bien entendu, pour d'autres vidéos sur cette chaîne Arteon's World. Soutenez-moi, abonnez-vous, partagez, likez, regardez mes vidéos. Et pour les autres, on se retrouve en live juste après la petite coupure de publicité. A tout de suite, c'était Tonton Arteon. Ne restez là sur la TV2. J'ai dit ne restez là.